Ok Google. Bonjour. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais avoir des renseignements sur Jean-Paul Dréaux, s'il vous plaît. C'est qui? Pardon? C'est qui Jean-Paul Dréaux? Un chanteur dans les années 80, mais aussi un excellent auteur-compositeur. J'ai attrapé un coup de soleil, c'est lui, hein? Ça date un peu, ça. Et peu importe. Alors, cette recherche? Ah oui, excusez-moi. Voyons. Jean-Paul Dréaux. Non, j'ai rien, désolé. Comment ça, rien? Walou, j'ai rien sur Jean-Paul Dréaux, ni sur Coup de Soleil, ni rien attaché à son nom. C'est pas possible. Et il est encore vivant, ce monsieur? Bah oui. Il est actif sur les réseaux sociaux? Je sais pas, moi, je le connais pas. Tu m'étonnes. Pardon? Personne ne connaît ce monsieur, en fait. Bon, j'ai compris, vous ne faites aucun effort, c'est pourri votre truc, je ne vais pas l'acheter, hein. Écoutez, vous me demandez de trouver des trucs sur un inconnu, excusez-moi de rien trouver. Internet n'est pas réservé aux gens connus, que je sache. Il y a quand même des limites à l'anonymat. Il a quand même sa petite notoriété, hein. Oui, mais bon. Comment ça, oui, mais bon? On me demande toujours de faire de pauvres recherches, moi. Et alors, vous n'êtes pas là pour juger les recherches d'abord? Ah oui? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? D'habitude, vous trouvez toujours. Vous trouvez même des trucs qu'on n'a même pas demandé. Plus maintenant, si vous cherchez Jean-Paul Dréaux, vous ne trouverez que Jean-Paul Dréaux et personne d'autre. Pour une question de vie privée. Bon, bah, tapez femme de Jean-Paul Dréaux dans ce cas-là. On va essayer de regrouper les informations. Alors, femme de Jean-Paul Dréaux. Annick. Annick, c'est sa femme? Ah, ça, je sais pas, il communique pas là-dessus. Bah, vous avez tapé femme de Jean-Paul Dréaux? Tant qu'on n'a pas le certificat de mariage, aucun plan sur la comète. Bref, qu'est-ce qu'elle dit? Rien de super intéressant. Comment ça, rien de super intéressant? Et blablabla, et blablabla, pouf! Encore une fois, vous n'êtes pas là pour juger. Il y en a 3 pages en plus. Recroisez les informations, je sais pas, moi, elle part peut-être de lui, sa compagne. Je recroise, alors, oula! Je vois une photo, il est blond avec un tatouage sur le cou? Non, il est brun, Jean-Paul Dréaux, archi brun. Ah, c'est pas lui alors. Oh, là, on est plutôt sur du blond musclé. C'est pas exactement lui. Vous êtes méchant. Pourquoi? Il est pas musclé? Si, il est pas blond. Attendez, je crois que j'ai trouvé. Oh, punaise, c'est lui, ça? Effectivement, très brun et très frisé, c'est ça? Ah, mais je sais pas s'il a encore des cheveux, moi, hein. Ça fait 30 ans que je l'ai pas vu. J'ai une photo de 2016, il a encore une bonne touffe, hein. Il peut pas avoir tout perdu en 3 ans. Certes. Par conséquent, la réponse à votre requête est: Jean-Paul Dréaux possède encore, à l'heure où l'on parle, quelques cheveux sur la tête. Ai-je répondu favorablement à votre requête? Oui, mais qu'est-ce qu'il devient alors professionnellement? Alors, après avoir écrit Le Coup de Soleil et bien d'autres, il se repose un peu là, parce que clairement... J'avais entendu parler d'une comédie musicale, ça tient toujours? Alors, vous avez un compte Facebook? Oui. Jean-Paul Dréaux aussi. Je vais vous renvoyer là-dessus, j'ai un travail fou et j'ai 33 appels en attente. Autre question et je vous mets immédiatement en attente? Non, c'est bon, merci quand même. Et de visiter ton paradis. Je mets tes photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer.